Grâce à la maison des jeunes et des sports du diocèse de Bafoussam, les détenus de la prison centrale du chef-lieu de la région de l'Ouest ont célébré à leur manière la 44e édition de la fête de l'unité nationale. À travers des activités socio-culturelles, ils ont manifesté leur attachement à la patrie. Pour boucler en beauté toute une semaine d'activités culturelles et éducatives au sein de la prison, plusieurs prestations ont été exécutées par les pensionnaires qui ont véhiculé des messages d'intégration nationale et de préservation de la paix sociale. Je dis merci beaucoup à la maison de jeunes pour tout ce soutien qu'ils apportent aux détenus. Et puis ça nous a permis de fêter la fête de l'unité. Ça nous va vraiment très droit au cœur parce que déjà, je ne savais même pas que dans des milieux incarcérés, ça pouvait exister. La maison des jeunes et des sports du diocèse de Bafoussam a organisé pour la circonstance des causeries éducatives pour édifier les détenus sur la détention provisoire en droit camerounais. L'insalubrité en milieu carcéral a été aussi évoquée. Objectif de cette mission, faire vivre la fête de l'unité nationale aux pensionnaires au même titre que les citoyens de l'extérieur. La célébration de la fête de l'unité nationale s'adresse à tous les Camerounais. Et justement, nous avons pensé que les détenus sont des Camerounais à part entière. Il était donc normal de célébrer la fête nationale de l'unité avec eux. Mais pas simplement une célébration festive, mais une célébration allant dans le sens de l'éducation. Et justement, l'éducation à un environnement sain, l'éducation à la citoyenneté, l'éducation à l'éthique de vie en société. Toutes ces activités de la Maison des Jeunes et des Sports de Bafoussam rentrent dans le projet d'humanisation des conditions de détention et de protection des droits des détenus. Une initiative saluée par Martial Bia Odjolo, administrateur des prisons, représentant le régisseur de la prison centrale de Bafoussam. Ces activités permettent aux détenus d'oublier un peu leur quotidien. Ça leur permet de laisser un peu l'oisiveté et de se divertir. Se divertir en apprenant beaucoup de choses. Dans le cadre de l'organisation de la fête de l'unité, elle leur permet de vivre en harmonie, en union, tout comme le commun, tout comme l'extérieur, cette unité nationale. Au finish, du matériel de désinfection, de nettoyage, d'assainissement et de dératisation des 28 cellules, des toilettes, des points d'eau et autres a été remis par la Maison des Jeunes et des Sports de Bafoussam aux pensionnaires de la prison centrale.